Salut tout le monde, ici LegoCracker qui est là pour le numéro. On est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc sur Team Sonic Racing, le nouveau jeu de course de Sonic, avec bien sûr le code par Sumo Digital et bien sûr la série de Sonic au service 700 que j'ai bien sûr fait une vidéo il y a presque. Ouais, il y a presque un an. Du coup, on se retrouve enfin maintenant sur ce jeu au coup qui a été vraiment pour moi une grande attente parce que voilà, un jeu Sonic, ça se fonce, hein. Alors, collection, hop, et là on peut y aller. C'est parti! Alors là, vous avez donc Star Joueur, Garage, Capsule de Modification, Multijoueur, Partie Locale, encore Aventure Epic. Oui, parce qu'apparemment, il y a un mode aventure. Alors là, vous avez Options, Astuces et Crédit. Bon, par exemple, pendant ce temps, je profite de voir un peu pour tout ça. Voilà, donc maintenant, j'ai profité de faire une longue, les petits réglages. Alors, apparemment, chose qui est assez marrant, c'est que vous mettez donc la langue audio, donc normalement, la langue du jeu, entre anglais, espagnol, italien et même en japonais. C'est ce qui est assez marrant. Bon, je sais pas, on pourrait tester ça au coup une prochaine fois. En tout cas, si je fais pas un SP dessus. Oui, parce que coup maintenant, dans votre pays, il y a donc une histoire. Donc, plongeons dedans. C'est parti. Salut Sonic, Omochao, Big et moi, on va pique-niquer. Tu veux venir? Bien sûr. Knuckles, Tails et moi avons reçu ces étranges invitations pour rencontrer quelqu'un à la plage, pour une sorte de course. Mais j'ai toujours le temps pour un hot dog au chili. Une course? On n'a pas eu d'invitation. Bonjour, hérisson bleu. Je suis Dodonpa. Je suis honoré que tu aies accepté mon invitation. Es-tu prêt à me prouver que tu es le plus rapide? Rapide, c'est ton deuxième prénom. Mais de quelle course parlez-vous? Votre invitation ne comportait pas beaucoup de détails. Les détails importent peu. Surtout pour ceux qui ont une intelligence assez limitée. L'important, c'est que vous ferez la course en équipe à bord des voitures ultra sophistiquées que mon esprit supra-avancé a créées. Vos talents seront mis à l'épreuve sur des parcours palpitants. C'est plutôt vague. En plus, si on oublie la mention d'intelligence assez limitée, tous ces discours sur cet esprit super-avancé et parcours palpitants ressemblent un peu trop à ceux d'Eggman à mon goût. D'accord. Je viens tout juste de rencontrer ce type, mais il m'inspire pas confiance. Ouais, toute cette histoire est un peu louche, mais Dodon a attisé ma curiosité. Je meurs d'envie de jeter un coup d'œil à cette course et ses super voitures. Allez, vous savez que vous ne risquez rien tant que je suis là. Sage décision, hérisson bleu. Rejoignez-moi dans mon vaisseau et je vous emmènerai sur Planète Wisp, là où aura lieu la première course. Ça a l'air amusant. Je peux venir dans votre vaisseau? Pourquoi pas? Un gros chat comme toi peut prouver son utilité dans une course. Si tu es valide, alors Ellie et moi aussi. On est une équipe avec nous. Maintenant que la Team Rose est aussi de la partie, la Team Sonic va avoir de la concurrence. Bon, donc voilà, donc là on arrive un peu donc à cette entrée, donc messieurs, où on a sur le drôle de monsieur donc, invité bien sûr nos amis dans des courses, oui, dans des courses de voiture, ah mais c'est particulier donc, on a baissé au coup, enfin, un doublage français, oui, bien sûr, notre bon vieux Alexandre G, bah, qui double Sonic, ou Margie, Maggie, Eugel, enfin, c'est qui double Tails, bien sûr, Sébastien Dijoux qui fait Knuckles, et bien sûr, plein d'autres. En tout cas, ça fait du bien d'avoir un doublage français sur un jeu de course Sonic, enfin. Oui, parce que, sur Sonic and Sega, Sonic and Sega All-Star Racing, et bien sûr, Sonic All-Star Transformation, c'est que de l'anglais. Maintenant, on a enfin un bon jeu français. Bon, c'est aussi qu'on s'en... Bon, arrêtez, on va arrêter un peu de babards, là, tout ça. Il est temps de passer à la course. Tout est prêt. Faisons entrer les pilotes. Alors, bien sûr, on va faire... Attends, vous avez normal, difficile, expert. Normal, je sens que c'est le côté où c'est genre classique, alors donc, difficile. Et voilà, donc là, bien sûr, vous avez le choix donc avec bien sûr les personnages comme Sonic, Tails et Knuckles. Bon, on va profiter de la rencontre, vous montrer les véhicules. Donc là, Knuckles continue sur deux buggy. Tails, par contre, elle, c'est plus une Ferrari. Oui, carrément, une Ferrari. Ah, ok, tu peux faire comme ça, tu peux voir, ok, là c'est carrément voir le détail de Pro. Et mais sur Sonic, on a une sorte de super voiture ultra Sonic mais sophistiqué. Ben, on va commencer avec Sonic. Après, sur le troisième, on fera, sur le deuxième, on fera Tails et en troisième, Knuckles. Et voilà, et après, ce sera fini. Bon, allez, c'est parti pour Sonic. Cool, prêt comme jamais. Alors, équipement, qu'est-ce que c'est? Ah, je vois, c'est sur d'aérobus.
Ah, je remercie pour je pourrais m'améliorer quelque chose. Bon, allez, ok, c'est parti. Ça le fait mille BTM. Bienvenue sur le circuit Wisp, le premier d'une série de courses en équipe. Vous dites que le gagnant du tournoi a le droit de garder sa voiture? Trop bien. Un peu trop bien, à mon avis. On dirait que ce tanuki doit cacher quelque chose. Voilà, donc là maintenant, là, c'est on va faire Family Team. Ah bien sûr, le principe de Team Sonic Racing, c'est qu'on va faire donc une sorte de coopération. Oui, c'est de la coop. Bien sûr, vous pouvez jouer à plusieurs, mais en tout cas, c'est pas en fait où enfin, vous pouvez jouer solo, mais ça joue en équipe. Hein. Bah oui, par le pouvoir de l'amitié. Bah oui, la fameuse phrase culte. Bon, allez, c'est parti. Donc bien sûr, là, celui donc, qui a vaincu, c'est celui qui a l'équipe qui a le plus gros au score. Allez, c'est parti, boum. Donc, Tails et Nekeson, Ali et moi, je suis en jour 1. Et ça va chier. Allez, boum. Merde. Bon, voilà, donc là, voilà un débat bien foireux. Bon, allez, c'est parti maintenant pour faire de la course. Ça, je connais, hein. J'ai déjà appris ça. Allez, boum, oui. Ah, ça fait du bien. Allez, attention. Oui, donc bon, bien sûr, là, au coup, là, pendant que eux, ils parlent, on va passer par dessus. C'est pas tout ça, mais là, maintenant, il est temps maintenant de passer à l'accélération. Du coup, c'est l'heure de mettre du boost. Le boost. On rentre, hein, sinon, je vais faire comme la merde. Allez, hop, j'envoie ça, et ça, envoyé sur l'ennemi, normalement. Voilà, bravo, j'ai déjà tout esquivé. Maintenant, il est temps d'y aller. Allez, bum. Ah, putain, il y a des notes. Mais heureusement, ça n'échappe pas à mon instinct. Et c'est parti! Et oui! Ah bon, par contre, là, c'est que on est donc sur une coupe un peu plat. Du coup, on doit y aller à faire à fond la caisse. Et merde! J'ai carrément loupé. Et c'est parti! Allez, hop, tac. Oui, donc ça c'est normal, c'est un jeu de course et c'est vous devez le faire en coopération. Du coup, il est tiens d'y aller. Attention. Ouh, là c'est le dernier tour, donc il faudra carrément René. Allez, bum. Là, maintenant, on va prendre un peu de boost. Ouais, bah, maintenant, il faudra aller, par contre, à fond la caisse. Oui, wouhou. C'est parti. Attention, je vais y aller. Ah bon? Eh ben regarde ça, je les double et boum, gagné. C'est trop facile. Ouais, carrément. Bon, par contre là, j'avoue que j'ai la tête qui tourne, hein, parce qu'on a fait un gros pli. Un troisième. Ah ouais, on va voir. Bon, mais sur la souris, le principe un peu. Là, c'est où les points sont comptés. Bon, c'est quoi alors? Bien sûr, on a un méga scroll. Voilà, minimité, les crédits. Donc ça, c'est un peu les coins. Bon, allez. Alors, ouh, oh yeah, baby. C'est facile à faire comme une belle de fois. Bon, c'est que la suite maintenant. Très bien joué, tout le monde. Enfin, certains mieux que d'autres. Certains ont peu de chances de survivre. Ce rire me fait froid dans le dos. Ça me rappelle celui d'Eggman. Voilà, donc là maintenant, bien sûr, on a 3 étoiles. Et du coup, on va pouvoir passer maintenant au second. La modification révèle beaucoup d'un concurrent. Oui, exactement. Bon, on va rester un peu en difficile. Et du coup, maintenant, on va prendre Tails. J'ai trop hâte. Alors, voyons voir. Donc, apparemment, l'équipement, c'est quoi? Alors, réglage, pré-réglage.
Je sais pas trop ce que c'est. Mais bon, c'est parti. Allez, bim bim bim. Fumez les bitumes. Je vous le dis, moi. Il y a Anguille sous roche. Quel genre de personne surgit de nulle part et demande à des étrangers de s'affronter dans une course pleine de dangers? T'as raison. Ça m'a tout l'air d'être encore une combine d'Eggman. Ces voitures super sophistiquées, cette compétition mystérieuse. Je parie que Dr. Eggman et lui sont de mèche. Moi, je trouve qu'il est gentil. Regarde la belle voiture qu'il me laisse conduire. Si tu crois que ta voiture est belle, mon minet, attends de voir quand tu auras déverrouillé les modes cosmétiques. Et pourquoi pas maintenant? Tu finiras bien par comprendre. Explore la carte, participe à des courses secondaires et récolte des clés cachées. Oh, vous allez en découvrir des choses. Des choses potentiellement dangereuses. Oh, 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 oh. Voilà, donc maintenant, c'est parti maintenant pour faire le second round. Non, mais ça, c'est une seconde course. Et du coup, là, c'est parti donc pour faire encore fumer le bitume. Oui, carrément, là, c'est carrément. On va faire bim, 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 on va fumer le bitume, tout ça. Et on va essayer de reporter tout ça. Bon, le genre le difficile, c'est un peu le genre hardcore, parce que quand même, t'as les aimés qui vont à fond, donc... Allez, c'est parti. Non, ma voiture est jolie avec les modifs. Oh. Allez. Et merde, encore raté. Quand est-ce que je vais réussir correctement? Bon, allez, c'est parti. Non, c'est pas le moment, là, s'il te plaît. Je vois pas que je suis en pleine course. Allez, bon, là, je suis en quatrième. Bon, allez, maintenant, il est temps d'y aller. Bon, attention, super looping. Oui, ah, non, non, non. Bon, en tout cas, j'avoue que les circuits sont assez beaux en soi. Ça, je dois l'avouer. Mais bon. Attention. Hop, voilà. Bon, je vais reprendre ça. Voilà, hop. Donc là, je reprends au coup, bien sûr, que mon ami a laissé. Et là, je vais prendre un nouveau. Et là, je pose un cul. Et là on y va, fracasse. Oui. Allez, je laisse un cube. Ah. Allez. Mais heureusement, j'ai entendu boost. Allez, c'est parti. Oui. Ah, ok, là tu peux avoir tout les choses de tes colonnes, qui peut savoir où ils sont, dans quelle position. Comme ça, tu as une sorte de vue d'ensemble. Bon, c'est pas ça. Mais tant de griller les ennemis. C'est parti pour fantôme. Par là, je vais éviter de prendre la boucle. Allez, hop, on y va. Allez, c'est parti, hop, on continue. Oui, donc c'est ça en général les jeux de course de Sonic, c'est que vous foncez devant et vous y allez à fond. Oh, mais un boost. Ça va faire bonbon. Et bien sûr, on assure tout le monde. Voilà, hop, et le bombe. Et boum. Voilà. C'était facile. Non mais, c'est vraiment simple. Bon après, j'avoue que quand tu essaies d'arriver premier, c'est quand même là où tu arrives un peu genre à la dernière minute. Oula, j'ai cru que c'était à Roumanie avec les couleurs bien placées. Voilà, et hop, des scores. Encore plus de scores. Oui, le score. Hop, voilà. Donc encore des pièces. Et c'est parti. Classement. Il est gagné encore. Oui, c'est un travail d'équipe qui se foulait comme un cake dans un gâteau. Ça veut absolument rien dire. Bon, continue un petit peu. C'est quoi cette histoire? C'était génial, j'adore courir, mais c'était vraiment drôle de conduire cet engin. C'était presque aussi drôle que la pêche. Faut avouer que ce type s'est organisé une belle course. Mais il y a quand même un truc qui me chiffonne. Je suis d'accord. Ce niveau de technologie est très avancé, même pour moi. Et pourquoi veut-il absolument qu'on fasse la course? Cherche-t-il à tester les limites de ses voitures? Donc peut-être qu'il cherche à tester nos limites. Une des deux options? Aucune? Les deux? Comment savoir? Oh 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 oh! Gagner ou perdre, tout dépend de votre esprit d'équipe. Alors,
Êtes-vous prêt pour la course suivante? Voilà, donc enfin encore 3 étapes de plus, et maintenant, on va passer maintenant à la seconde course. Voilà, encore les clés, et du coup, voilà, ça débloque un autre portail. Bon, là, on a le côté, donc apparemment, c'est la coupe. Donc, si vous voulez, tu fais à peu près apparemment toutes les courses, très bien, et l'autre, c'est le côté un peu genre casse-cou. Donc, il y a une méthode d'argent, il y a une méthode de platine, et celui-là, donc, remplis toutes les conditions, d'accord. On termine en première place à la fin du Grand Prix. Attends, c'est là où on va faire au coup toutes les coupes. Attends. Tu as Wanted Liger, Wisp. Ok, donc là c'est donc un circuit, donc bah tiens, on va tester le truc un peu casse-cou. Mais pour ça, on prend celui-ci, Knuckles. Qu'est-ce qu'on attend? Oui, qu'est-ce qu'on attend? Je profite de voir quelques trucs. Peinture, pré-réglage. Mais qu'est-ce que ça change en fait? Non, je vois aucune idée. Bon, attends, on va reprendre. Et c'est parti pour faire encore fumer le bitume. Une dernière fois. Voilà, donc. Direction. Ok. Alors, donc, si tu restes en fait avec le cul, ça permet d'augmenter ta barre de boost. Et du coup, hop, voilà. D'accord. Merci pour ces bons conseils. Je sens que j'aime ce jeu. Voilà, donc, ok. Donc, faudra passer au coup. Letting point en fait dans certaines zones. Donc, faut passer plus sur entre le jaune. Ah ok, donc faudra passer sur le coin. Ah, ça je connais ce circuit. Et c'est parti. Je connais bien ce circuit, il me dit quelque chose, mais vraiment par contre ça rame du cul à mort. Ok, je vois au moins ce que c'est. Ah, je vois, tu dois augmenter le score pour rester dans la lignée. Là, hop, et là, on prend un peu de boost. Ouais, ce jeu, en fait, enfin, ce circuit était bien, en fait, dans le précédent jeu. Hein. En fait, ils ont remasterisé tout ça. Ah, ok, donc, faut rester donc, dans les cases rouges pour pouvoir le faire. Et là, il va y avoir un peu le genre de raccourci, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Du coup, on va prendre ce raccourci-là. Ok. C'est quoi, j'ai perdu? Terminé. Très bien, ok, ma voiture c'est celle-là. Alors au niveau des points, ok, platine partout. Non mais je me dis là, faut avoir foncé à la caisse à fond. Bon, au moins argent, je dis pas non, encore des points. Non mais... Ok, donc casse-cou, c'est où tu dois essayer donc de faire des sortes de slalom entre les trucs pour gagner un maximum de points. Bon, 2 étoiles. Bon, j'ai pas la médaille de platine, mais en bas j'ai une belle étoile. Niveau. Attends, donc... attends, défi rings. Alors... je pense c'est où tu dois ramasser un max de rings. Bon, je crois bien que j'ai fait un peu le tour. Attends, est-ce qu'il n'y aura pas un autre joueur à débloquer? Ah non, en fait, t'as le droit que entre Sonic, Tails ou Knuckles. C'est les 3 qui te donnent. Ok, bon, là, je sais pas trop quoi faire d'autre. On a fait un peu le tour. Bon, là, je parle, il y a un peu sur le côté circuit. Donc là, en gros, c'est. On a donc les étoiles. On a les. Bon, il nous manque encore une. Là, c'est pour les rings. On a là. Alors, donc. Attends, sélection chapitre. Ah non, alors ça, c'est retour. Alors, on va voir. Je profite de faire un petit tour. Partie locale, c'est où tu peux jouer, je crois bien. Donc, entre le Grand Prix, course de démolition, ah non, démonstration, et contre la montre. Ok, journée, c'est quand tu joues avec tes potes, donc juste tester quelque chose. Alors ici, tu as matchmaking, attends, créer partie personnelle, ou rejoindre la partie personnelle d'un ami. Ok, ça c'est quand tu joues à plusieurs, start joueur. Ok, ça c'est tous les parcours, donc console ligne terminée, c'est reboost activé. Wisp, acrobat effectué, turbo. Ok, ça c'est toutes tes stats, personnage favori, Knuckles, je crois que c'est quand t'as joué au dernier. Et ce que tu peux favori, c'est Roller Wargo. Ok, c'est quand tu vois les choses. Et c'est quoi le garage en fait? Personnaliser les pièces de performance, personnaliser esthétique, je crois que c'est un truc là pour tuner ta voiture. Et capsule de modification, je crois que c'est un truc là où tu gagnes des choses. Bon, allez hop, je tire les sous, qu'est-ce que j'ai gagné? Planeur rapide. Allez, encore une autre. Cube. Ok. Encore des ailerons. Ok.
Quoi d'autre encore? Encore des ailerons. Ok, ça c'est carrément pour tuer ton véhicule sur certains terrains. Ah ok, là donc là t'as fini. Du coup c'est fini. Ok. Alors voyons, donc option, c'est là où j'ai pas fini, donc vous voir les réglages. Donc bien sûr là dans vidéo, donc vous avez donc la langue du texte, en gros c'est ce qui permet d'afficher. Et bien sûr langue audio, c'est que vous avez les voix. Regardez bien, vous avez français, oh attends, vous avez anglais, français, allemand, italien, espagnol, et ça c'est du japonais, donc en tout cas, on a du tout. Et comment c'est quand vous voulez faire un peu les petits réglages? Alors astuce. Oui, on profite de faire un petit peu le tour. Ah, donc là c'est un peu tout ce qui est. Ah ok, non, pas la peine. C'est quoi les crédits? C'est tous les textes que tu mets? Team Sonic, merci crédit. Ah ok, donc là c'est tous ceux qui ont participé au truc. Je vois, d'accord. Bon, là, stop là, parce que là, je reviens. Oh, attends, tu peux faire un truc spécial? Attends. Oh, tu peux accélérer! Ah, là tu peux freiner. Et tu peux l'accélérer tout vrai! Accélérer, freiner. Bon, j'arrête un peu de faire le couillon. Là, je crois qu'on a fait un peu le tour. Attends, changer de profil. Alors, vraiment changer ce profil. Non, je vais rester là. Bon, voilà. Donc, c'est déjà la fin de cette découverte et des angles sur Team Sonic Racing. N'oublie pas de nous donner like, commenter, partager la vidéo, ne pas citer ma chaîne et de cliquer sur cloche pour recevoir toutes les notifications sur une vidéo. Et n'oubliez pas aussi, donc, bien sûr, de vous abonner, de cliquer sur la cloche. Non, moi, j'avoue une chose, c'est que Team Sonic Racing, ça permet vraiment beaucoup de choses. Puis, en plus, c'est de la coopération. En plus, les voix sont en français. Donc, carrément, là, ça permet aussi d'avoir une sorte de coolité au jeu. Et en plus, là, au coup, tu peux passer enfin, tu peux tuner ta voiture. Mais après, j'espère que je vais te poser la question, c'est est-ce que dans ce jeu, tu peux jouer à ton avatar Microsoft, enfin, de la Xbox, ou encore les Mi de la Wii. Enfin, est-ce que ça peut jouer avec ça? Parce que au cas où il y a ça, si vous voulez, sur le précédent jeu, et vraiment, j'aimerais trop, en fait, qu'il est dans ce jeu-là. Mais bon, si vous pouvez rajouter, c'est pas grave, parce que quand même, quoi, j'avoue que le jeu, il a quand même un beau truc à s'amuser. Bon, que je me dis, je vais me jouer plutôt en off dans mon coin. Voilà, donc je laisse parler. Vraiment, foncez-y si vous voulez jouer à un jeu de course. Moi, j'ai carrément une chose et un génial. Allez, tchuss!